Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, amoureux du ballon rond, bienvenue dans l'émission Football Showtime, émission qui sera consacrée principalement cet après-midi à la 12e journée de la Première Ligue. Accueillons en studio notre ami et consultant Yachad. Bonsoir Yachad. Bonsoir Nitish et bonsoir les internautes. Alors Yachad, après la troisième et dernière trêve internationale de la saison, nous revoilà partis pour quelques semaines d'intensité, hein, surtout dans la Première Ligue et la Ligue des Champions la semaine prochaine. Pour rappel, la semaine prochaine, mardi, nous prenons l'autre émission que nous proposons principalement sur la Ligue, sur des, la Ligue Champions. Des Champions ainsi que l'Europa League. Cet après-midi, nous concentrons principalement sur la 12e journée du championnat d'Angleterre. Bien sûr, il y a un choc en Italie entre l'AC Milan et la Juve, que tout va passer en revue là-dessus. Et Yachad, la journée va démarrer demain à 16h30. Leicester sera opposé à Chelsea. Chelsea, une équipe complètement transformée cette saison sous la houlette de l'entraîneur italien Maresca. Et Leicester, promu, qui alterne le bon et le moins bon. Et sur ce qui nous capable constater, Yachad, logiquement, Chelsea, c'est un favori en puissance demain. Effectivement, Nitish, on bien résume la situation. Chelsea est troisième avec 19 points. Même point avec Arsenal, Brighton et Forest. Mais il quand même reste des matchs nuls consécutifs face à deux adversaires de calibre. Voilà, mais, voilà. On connaît au bourrement parce qu'il y en a dans ces United. Il se fait un match nul, NN, avec Arsenal. Il y a un match nul, NN, avec United. Nous notons un passage à vide de ce store cette saison, que le Palme, qui lors de ce dernier match pas fin de montrer lui à la hauteur, si nous sommes capables de dire comme ça, c'est qu'il explique un peu sa défaut pas de Chelsea là peut-être, mais il nous rappelle les internautes qui face à United, ce n'est qu'à la 80e minute que Chelsea finit gagner ce match là, donc les teams montrés un signe de faiblesse aussi, mais comment on peut dire, Chelsea reste un candidat très très sérieux pour le top 4 cette saison, surtout Valère Dijot, sinon pourquoi pas l'effectif de Chelsea avec celui de Brighton ou Forest qui à l'heure actuelle paraît les candidats pour le top 4, ben, il n'y a pas photo pour qui à la fin de la saison Chelsea capable valide ce ticket pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Nous rappelle que Chelsea cette saison pas même joué l'Europa League, mais ce n'est que Conference League. Conference League, donc pas peut paraître qu'il y ait un adversaire qui peut avoir empêché les grands grand favori. D'ailleurs, ce dernier soutien en Europa League, il a gagné 8-0 contre l'équipe arménienne Noir Yerevan. Oui, d'ailleurs, au niveau de la cote, oui, Leicester est offert 545 roupies, le match nul à 340 roupies, et Chelsea est bien sûr favori à 145 roupies. C'est logique quand on guette un match de Leicester cette saison, comment on fait que Jeff promu cette saison, tu écrases tout le surpassage. Ouais, ce n'est que dans les dernières 3-4 semaines qu'il définit peiner un petit peu en championship, mais tu finis presque assuré. Et surtout, c'est retrouvaille de ce ancien entraîneur. Maresca. Oui. Maresca, oui. C'était lui l'artisan de Leicester qui finit premier. Effectivement, mais Leicester, première ligue, c'est tout à fait un autre niveau. Tout à fait, ouais. C'est 10 points en 11 matchs pour Leicester. Il est retrouvé en 15e position avec 3 points d'avance sur le premier relégable. Donc, surtout, quand on get ce musique en première ligue, 4 derniers matchs sans victoire, paraît être pas plus facile pour Leicester. Et surtout, il y a un joueur 4, un joueur clé qui est incertain, qui part pour jouer. Buonanotte, Jordan Ayew, Daka, Jamie Vardy, qui est très incertain. Donc, paraît être. Vous pensez que ça va être difficile pour Leicester? Une victoire de Chelsea. Ouais. Nous peut diriger nous vers une victoire de Chelsea dans ce match-là. Oui, Chelsea, c'est la quatrième meilleure équipe, la meilleure attaque du championnat d'Angleterre. Manchester City, Tottenham, même Brentford, qui est parmi les quatre meilleures attaques du championnat d'Angleterre. Liverpool est à la cinquième place concernant les meilleures attaques avec 21 goals. Et tableau qui est important. Hein? Tableau qui est important. Non, cinquième, ça, qui est intéressant avec cette équipe Chelsea. Premier le tableau. Rapidement, c'est que l'entraîneur italien Maresca une récit trouver une équipe type rapidement par rapport à Mauricio Pochettino qui expliquait beaucoup de mal la saison dernière.
Et ce milieu et que ce l'attaque, c'est une belle cohésion. Oui. Raison pour laquelle le trou de Chelsea inscrit à beaucoup de Il a buts. mal joué à retrouver Ouais. la saison dernière Nicolas Jackson, très critiqué Ouais. par la presse de par ses C'était une question de performances. confiance, il faut penser, avec Oui, mais cette saison, il y a Nicolas l'entraîneur. Jackson et Cole Palmer qui Ouais. sont les hommes Et forts de Chelsea. actuellement, Cole Palmer, c'est un des meilleurs joueurs du championnat Oui. d'Angleterre, mais durant ces 3-4 dernières semaines, c'est Pedro Neto Oui, bien sûr. qui est lui l'homme du match. D'ailleurs, c'est l'homme du match contre Arsenal Oui. avant la trêve. C'est un formidable joueur Oui. qui a Un toute la peu confiance de fragile, l'entraîneur. Un peu fragile, mais mais. assez jeune. Jackson, la saison dernière, mon pensée, c'est que tu n'as beaucoup de, à chaque fois, tu n'as pas de rumeur de transfert. Oui. Le type remplaçant, le type aller, tu Oui. n'as man joueur que Chelsea, tu peux rester en pointe. Mais là, c'était, je pense, une question de confiance. Madueke, qui est Oui. titulaire avec l'Angleterre, tu veux remplacer Bukayo Saka, Madueke, Palmer, Neto, Jackson, ce sont les quatre de devant. Et Romeo Lavia nous rappelle, tu es blessé presque toute une saison Oui. la fois passée. À ce qu'il paraît, il y a un certain, mais Enzo Fernandez capable de remplacer pour jouer avec Caicedo au milieu de terrain. En toute honnêteté, je pensais que ça va être très difficile Pour l'Est. pour Leicester pour contenir surtout les attaques de Chelsea. Chelsea. Unanime là-dessus, hein, Oui, une grand victoire de favori. Chelsea. Je pensais qu'il y a 145 roupies. Paraît que c'est un très bon bet ce week-end, Nitish. Alors, l'autre duel fort intéressant, Yachad, qui fait du petit intéressant parce que Arsenal, Nottingham Forest, c'est des paraître sur papier un duel un peu mal classé entre Oui, Arsenal et Nottingham, mais classement mais dit autrement. au classement, Arsenal 4e, Nottingham 5e, même Les nombre deux de avec points, 19 points, oui. 19 points, et une seule goal différence entre les deux, Oui. Arsenal plus 6, Nottingham plus 5, mais Arsenal avec quelques faux pas, Pas quelques, sur et quatre derniers matchs, c'est zéro c'est victoire ça, en première ligue. mais ne pas finir habitué, trouve Arsenal. Oui, bien sûr. Dans une situation pareille depuis les 3-4 dernières années, Oui. Yeshad, il paraît un petit peu bizarre de dire ça, mais sur un papier, Arsenal favori, si je ne me trompe pas trompé au niveau de la Oui, cote bien avec sûr. vous. Arsenal est offert à 135 roupies, grandissime favori, il nous vient de dire le match nul à 350 roupies et Nottingham Forest, c'est un par outsider à 785 roupies, Ouais. un nitish. Et Nottingham Forest nous rappelle, c'est la seule équipe qui bat Liverpool Oui, cette saison. oui. Et tu as gagné Anfield Road. Oui. Attention, Non, surprise. mais Arsenal est on malade. sait que Nottingham Forest, c'est une équipe très joueuse Oui. cette saison. Il pratique un joli football. Ce match qu'il gagne, il domine West Ham 3-0. Il domine Leicester à l'extérieur 1-3. Et il domine Crystal Palace à domicile, qui est une équipe très difficile pour jouer, qui est très à vocation, très défensif. Donc non, c'est une très bonne équipe de Nottingham Forest et Arsenal décevant, comment on peut dire, battu par Bournemouth des 0 il n'y a pas très longtemps. Match nul, 2 buts partout face à Liverpool. Mais ça, c'était avant. Ne mettez ça dans de vieux compte. Non, C'était avant. non, mais quand nous pouvons sur 4 derniers matchs en Ouais. Première Mais là, Ligue, c'est c'est 10 points l'Inter de fin de Milan aussi qui récolté dans bat 12 bien possibles. Ligue des Champions aussi. Hein. Oui, Ça non, devait tant me penser. Mauvais Oui. Première Ligue, dans 12 points possibles, Arsenal, il gagne 10 points. Des points. Donc, il finit perdu 10 points Ouais. contre Liverpool, contre Bournemouth. Bournemouth, contre Newcastle, Newcastle. défaite Ouais. 1 but à 0, et aussi contre Chelsea, un match nul. Donc, Chelsea. le momentum qui est Ouais. Arsenal, c'est en début de saison, et sur 4 derniers matchs, c'est totalement différent. Et C'est un déjà peu. là, 9 points de retard Oui, non, c'est. Non, mais pensez que it's a two-horse race for the sur title, Nitish, Liverpool. nous bien clair. 9 points de retard. Hein. Y a que City, selon moi, qui est capable de ramasser 5 points à Liverpool cette Oui, saison. pas oublier 5 points capable d'une 8 la la semaine semaine prochaine, prochaine. 5 ans Oui, capable d'une 8. bien sûr, bien Une sûr. match à Anfield Road. Anfield Road, voilà. Ouais. Et City aussi, une équipe malade en ce Définitivement, moment. nous Hein. avons l'occasion à cause de City après, mais ça marche là, Non, vous mais pensez que. fais attention à Nottingham Forest. Oui, 800 roupies, comment peut-être il était, Yachad? 785 roupies. 700, attention au match nul. Parce que vous finissez Non, suivre un Forest petit est offert à peu. 785. Le match nul Forest. à 350 roupies. Ouais. Nottingham Forest, c'est une équipe que vous finissez suivre de très près durant les 3-4 dernières Oui. semaines. Il y en a un joueur talentueux. Définitivement. Certes, de ne pas paraître une grande star, mais il y en a quand même ce Gibbs White Gibbs White, qui jouait avec l'Angleterre. oui. Et Anthony Elanga, Oui. ancien joueur de Manchester.
Wood, le buteur néo-zélandais. Non, Lula, l'entraîneur, nous rappelle l'ancien entraîneur de Wolves, Nuno Espirito. Qui tire à fin de séjour en Arabie Saoudite. Santo. Fait élu, si je ne m'ai pas trompé, quelques semaines de cela, Manager of the Month. Oui, bien sûr. En première ligue. Oui. Et non, c'était une équipe très, très accrocheuse, très joueuse. Pour penser capable pour une goal de ce match-là. Définitivement. Donc, au Pierre-Coin de Team, jusqu'au Charlotte Lula. C'est Arsenal sur papier. Par Ed Favori. Mais tu peux dire où sa défaite contre Inter Milan là, Arsenal, ça fait une laisse des séquelles. Définitivement. Ça, et la fois où une défaite comme ça, il laisse des séquelles. Mais il y a une fans Arsenal qui j'ai très souvent, comme je converse avec une fans Arsenal, je te fais sa réponse là au Teta. Je veux dire que oui, nous jouons joli football, que oui, we are in the title contention, mais Teta n'est pas capable, ça fait un peu de saison, qui peut faire ça plus. Avec ça, l'équipe-là qui est capable à côtoyer les City et Liverpool pour le titre ou même mieux faire en Ligue des Champions. Donc, Arteta, est-ce que c'est un manager qui est capable de faire Arsenal gagner la Ligue, franchir sa cape-là pour venir un vrai title contender. Bon, pas trop sûr parce que, oui, Arsenal joue joli football, mais en termes de silverware, c'est pas grand-chose avec Arteta. Donc, vous pensez qu'il est le beau d'Arsenal pour bien revoir situation. Je pensais peut-être Arteta. Comme il est temps pour devenir Arteta. Arsenal, pour avoir une grande équipe qui pourrait dire. Non, mais Arteta fait 5 saisons d'Arsenal là déjà. 5 ou s'il remplace Unai Emery. 5 saisons. Peut-être man recrutement majeur. Oui. Peut-être un top center forward, un avançant de renom. Un milieu de terrain qui est capable d'épauler Bukayo Saka de l'autre côté. Et Tina seulement aussi, Victor Osimhen, qui est très cotisé. Peut-être en Angleterre. Un des tirs retouches. Oui, par exemple, si vous terminez un joueur comme Victor Osimhen au Arsenal, les films choisir à jouer en Turquie. Ouais. Donc, pas dire moi qu'il est pour refuse. Arsenal est la première. Je vais attendre Chelsea. Mais quand même, ça, il y a combien de fois, il y a mal joué à tant de man d'équipe. Ouais. Vous pensez la cellule de recrutement d'Arsenal, un peu style à l'époque de Liverpool, comment ça s'appelle, Brendan Rodgers? Peut-être, mais il y a un directeur sportif en Edu qui est correct, qui fait un achat comme Calafiori. Tout récemment, on peut dire Declan Rice. Donc, nous pas qu'à trop réprocher, mais peut-être. Si vous avez envie, elle gagne la Ligue des Champions, elle gagne le titre de Premier League, vous avez un crack. Non, on est tout deux, le temps. Je me rappelle comment Mourinho vint Chelsea pour la deuxième fois. Et ben là, j'ai dit qu'il est moqué pour gagner la Ligue, le sixième moqué numéro 9. Je ne vais pas gagner la Ligue avec Samuel et tout. Tout à fait. Et la saison prochaine, cette saison après, le beau team de Nikas, il s'est acheté Diego Costa et il gagne la Ligue. Donc ça, c'est un entraîneur qui connaît. Il est déjà au franc, il est moqué. C'est ce qui est moqué avec Arsenal, vous pensez? Justement. C'est un vrai joueur qui est capable d'amener 25-30 goals par saison. Oui. C'est ça qui fait la différence. Nous faisons trop City, nous faisons lier avec Alan, Salah, nous faisons lier avec Liverpool. C'est ce qui m'a pensé, moqué avec Arsenal, pour lui franchir sa palier. Le potage ou la vie. Le point de victoire d'Arsenal, oui. Moi, on parle point de Bofti Mutisco, moi, un petit peu sceptique. Vous pensez que Nottingham Forest, c'est pour moi, Arsenal est favori. C'est une équipe qui est très bien en ce moment et qui n'a pas causé une surprise, définitivement. Et pour rappel, Nottingham Forest, c'est une meilleure défense qu'Arsenal. Ah oui. Dès que le début de la saison en première ligue. Alors, Yachad nous passe l'autre affiche, peut-être le choc de cette deuxième journée en Angleterre. Ce sera samedi à 21h30 à l'Etihad Stadium, Manchester City, pour accueillir Tottenham. Oui. Deux équipes qui nous capables de dire ainsi, deux équipes un petit peu malades en ce moment. Oui. Tottenham sorti d'une défaite à la maison contre Ipswich Town. Oui. ND. Et Manchester City de Pep Guardiola, il reste une série de 4 défaites consécutives, toutes compétitions confondues. C'est la toute première fois de la carrière de Pep Guardiola qui va vivre un moment pareil. Un moment, 4 défaites, match officiel. Mais surtout cette défaite contre le Sporting Portugal là. Le Sporting Portugal de Ruben Amorim. Nous pourrions nous l'entendre. Non, mais une défaite contre Sporting Portugal, une City qui est 2 ans de cela champion d'Europe. Champion d'Europe, oui. Non, mais qui est un premier favori pour. Oui, après sa défaite là, d'après la cote Opta, City fait beaucoup de points.
Ok. Beaucoup, beaucoup. Mais il vient une bête intéressant. Et bon, c'est le Liverpool qui fin remonte un petit peu au niveau de la côte pour Ligue des Champions. Même le Real Madrid aussi, fin bien batté. Et d'ailleurs, c'est défaite contre Brighton avant la trêve, City. Mais ça qui est intéressant, c'est que Tottenham a reset joué contre City. Oui. Souvent, il fait la différence contre City où là, il y a un match très serré. Et dernière fois, Tottenham qui bat City en EFL Cup récemment, là, le mois dernier. Oui. DN en première ligue la saison dernière, Tottenham qui bat 1-0. Mais actuellement, là, City, l'IPF a face à un gros, gros problème. C'est une crise. Une crise. Depuis la blessure de Rodri et Kevin De Bruyne qui ne retournait pas au top, mais c'est deux joueurs majeurs de pièces maîtresses dans l'équipe qui peuvent faire l'équipe planète. Piétiné. Oui, mais Robin Diaz pas poussé. Non, mais pensez qu'il l'absence de Rodri, il ne vient pas oublier que c'est le Ballon d'Or 2024. L'IPSO dans la balance pour City. Vous connaissez qui Rodri me racontait dans son interview. Oui, oui, je fais quoi ça, l'émission. Quoi, il finit de prendre la grosse tête, ça. Ouais. À ce qu'il paraît, selon les derniers bruits de couloir, le Real Madrid. Dès le mercato, il vient. Real Madrid nous connaît, c'est pas habitué à ces joueurs. Mais là, avec la crise qui est au Real, beaucoup d'absents, beaucoup de blessures, vous avez envie de mettre une grosse somme sur Rodri. Si ce n'est pas en janvier, ce sera fin de saison. L'été prochain. Et tout joueur qui est espagnol. Encore là, on connaît Real, Inge Balodo, là, on connaît là, combien de gens Balodo, Florentino Pérez, après Rodri. Exactement. Et quand Léon Ancelotti aussi, il n'est pas trop sûr, il est pour la saison prochaine. Non, ce sera Xabi Alonso. Probablement. Moi, ce qui est important dans ce match-là, Nitish, par rapport à City, le news, c'est que Pep Guardiola finit d'être prolongé jusqu'en 2027. Et ça, prolongation-là, il vient après 4 défaites consécutives, comment vous pouvez dire. Il paraît que ce contrat finit la saison prochaine. La saison prochaine, oui. Donc, c'est une extension de 2 ans. 2 ans, ok. Oui. Si vous ne pas trop, 2 ans ou une année plus une en option. Peut-être. En attendant que Thomas Tuchel quitte les rênes de la sélection anglaise. Vous pouvez dire où Sarkozy de nier un an et demi, c'est la Coupe du Monde. Est-ce que Thomas Tuchel va pas prendre l'Angleterre pour avoir la Coupe du Monde? Oui. Mais si les gars Coupe du Monde, l'éclat l'Angleterre. Non, parce que Thomas Tuchel, il qualifie une commit avec la sélection anglaise. C'était, vous connaissez, lui, son objectif, c'était, il vous prend ça, c'était là, mais c'est pas son objectif. À long terme. L'objectif de sa vie. Vous connaissez, sélection anglaise, l'objectif pour entraîner une grande équipe. Oui, c'est vrai. Admettons, c'était pareil, vous pensez. Vous rappelez Didier Deschamps à l'époque. Oui. Et tu fais Champions League avec Monaco et tout. Et tu courtisais pas mal de plus grands clubs en Europe. Oui. Du moment où les films font une performance avec l'équipe de France, de salaire monté. Non, mais lui, il est français. C'est différent. Admettons que tu restes. Allemand reste à la tête de la sélection anglaise pendant longtemps. Non, mais ça. On peut dire, si Martin a mieux. Si Tourel gagne la Coupe du Monde, comment on était. Saman Zue, il est pour aller avec le devoir accompli. Oui, c'est vrai. Il faut aller, sélectionneur anglais, c'est un des entraîneurs les mieux payés au monde. Oui. Quand on entraîne l'équipe d'Angleterre. Ne pas faire cause d'Arabie Saoudite. Oui. Ne pas faire cause, comment dire. En termes de. Voilà. Pas en duo, comment dire. Oui. Contexte actuel du football. Pas l'Arabie Saoudite, pas Qatar, pas la Chine. Mais c'est un des entraîneurs mieux payés au monde quand on prend les rênes de la sélection. Anglaise. À une époque, c'était Fabio Capello. C'est un des entraîneurs mieux payés au monde que tu vas trouver en Angleterre. Nous revenons au City rapidement, Yachad. Il y a beaucoup de joueurs blessés, mais il y a beaucoup aussi un certain Kingerman Pépin durant la trêve internationale. Oui. Quand nous regardons la défense de City, Ruben Dias, pas pour jouer, pas 100%. Les blessés. Oscar Bob, jeune joueur qui fait très bien. Très bien, oui. Qui n'a la confiance de gauche. Lissi, pas pour jouer, confirmé, blessé. Par contre, Akanji, très incertain. Nathan Ake, lui aussi. Mais ça pose problème défensivement. Très incertain. John Stone, blessure à la cheville. Parce qu'il paraît lui aussi. Pas pour là. Mais une véritable cascade de la défense. Oui. Phil Foden, Jack Grealish, Mateus Nunes, vous êtes aussi incertain. Oui. Mais Tottenham, de l'autre côté, c'est une équipe qui met pas mal de buts. Oui. Attention. Non, mais honnêtement, Nitish, vous pensez que City. Et Guardiola qui a fait 5 défaites consécutives. Mais vous pensez que c'est logique? Illogique, je peux expliquer que City avait battu Carton Exporting, il a battu Brighton. Il a une logique à respecter dans le football. De voir Guardiola et City perdre 5 matchs consécutifs me semble irréel. Ouais.
Mais là, football, peu importe circonstance football, peu importe circonstance football, là, on va trouver moi, on vient Flamsco, on retrouve L5L en rouge, Côte City. Non, c'est impossible. Peut-être, moi, nous, selon nous, moi. peut-être nous goûter au lit durant le week-end, après samedi. Bon, en face, c'est Tottenham, oui, mais Tottenham, c'est pas non plus pardon, l'équipe plus constante qu'il y a ces derniers temps. Ces 5 derniers matchs en Première Ligue, c'est 3 défaites, 2 victoires, donc. Surprenant défaite face à Ipswich à domicile. Ipswich in bat Zagreb. Assez imaginez Ipswich in voyage in alone in bat Tottenham. C'était l'île au terrain de quoi la fonte du vélo. Mais la défense de City. Non, vous pensez que la défense, allez, tout ça avec tout ça, ainsi a été blessé. C'est là qui défense Guardiola capable de mettre là. Certainement pour un man jeune. Mais les remplaçants de City, c'est plus man jeune. En défense, à moins de faire le milieu de terrain, central. Non, mais la défense de City. Kovacic, peut-être. Sa défense de City là. Milieu de terrain, offensivement, bon, tout à fait Darko avec City. Oui, mais c'est un goal, mais sa défense c'est là. C'est peut-être une raison qui ferme d'une indication la côte qui. Et Spurs par un extrême outsider, par exemple. City est offert favori, bien sûr, à 140 roupies. Le match nul à 350 roupies et Tottenham à 500 roupies. Donc c'est pas non plus 700, 800 ou. Ouais. Alors que si c'était une City au complet, peut-être que Tottenham, tu peux plus outsider qui ça. Mais Tottenham, comme on peut dire, il n'est pas pu faire assez pour donner l'impression qu'il y a un contender pour une place en Ligue des Champions cette saison. Non, moi, je ne prends pas une victoire de City. Honnêtement, je n'ai pas trouvé comment City est capable de faire 5 défaites consécutives. Non, pas défaites, elle marche nul. Déjà, là, elle n'est pas coupée. Elle dit que elle est 5 faux pas. Pour moi, c'est une faux pas. Pour moi, c'est une faux pas interdit pour City. Et Pep Guardiola. Non, mais s'il n'est pas gagné contre Tottenham. Oui. Et dans le même temps, c'est terminé. Non, bye bye Premier League. Il n'arrivait pas à gagner à Anfield. Qui aurait dit à 12 points d'avance pour finir pour le 13 match là. Le dire que Tottenham fait le match nul. Okay. Qui n'est pas impossible avec les cascades de blessures de City, surtout en défense. 11 points d'avance là. Si vous gagnez si au Bakit. Si Liverpool bat Tottenham. Southampton. Après, il bat City. Fait 11 points. Oui. Allez, on va peut-être Liverpool pour battre City dimanche. Il y a un match nul. Mais fini le trou est déjà fait. Ouais, fini diaphragme, hein? Fini gala, les gars. Allez, moi, pour avoir une victoire de Man City à 140 roupies, je connais mon PMP avantage, un peu plus vers les favoris. Je pensais que Chelsea et Arsenal et City vont gagner cette semaine. Okay. Donc, pour moi, City, une victoire de City. Bon, un petit peu perplexe là-dessus, tout comme Arsenal. Arsenal, pour moi, un choix logique, mais je préfère une bouffe de score et un meilleur prix. Oui. Là aussi, Tottenham filmé de 23 goals depuis le début de la saison, City filmé de 22 goals. Tottenham est une meilleure attaque. Oui, bien sûr, avec les Son, Richarlison qui peut montrer bien. Timo Werner aussi. Pas mauvais du tout. Et par contre, City avec ce problème défensif, il faut favoriser Tottenham pour mettre goal. Oui. Mais City aussi mettre goal. Bon, pas le point de raison pour laquelle, alors qu'une fois, both teams to score. Ah, both teams to score. Sans idée. Allez, ok. Tu peux préférer match nul. Vous prenez deux combo là, Nitish. Both teams to score, City ou Jam. Alors, rapidement, Yachad nous passe sur le leader de la Première Ligue actuelle qui prenait un déplacement à faire au 7 Mary Stadium face à Southampton, comme nous connaît. Man échéance Liverpool dit capable un petit peu essayer de faire tourner parce que mercredi il y a le Real Madrid, juste après Real Madrid dimanche il y a Manchester City et mercredi pour nous connaître le championnat durant la semaine la semaine prochaine le 4 qui vous jouez contre à l'extérieur contre Newcastle. Oui, au type diamant avant l'émission qui Liverpool il y a un calendrier vraiment étouffé et quand il finit Newcastle à l'extérieur c'était mercredi. Oui. Ce samedi à 16h30, il peut jouer contre Everton, le début de la Mersey. Attention, comment dire après Boxing Day ou bien. C'est ça, vous pouvez dire où attention, quand les envies ont commencé, tu es allé là où tu peux dire vous prends 11 points d'avance au City. Non, attention, les deux envies, vous pouvez dire si tu es un point d'avance au. Pas fini. Quand nous avons sa calendrier Liverpool là, oui. Après Real Madrid, il peut jouer home contre City, et jouer contre Newcastle, et jouer contre Everton. Et fini ça. Et il y a une trêve, il a joué contre Giroud en Ligue des Champions. Il a joué contre Fulham. Non, il est en Ligue des Champions, quoi, décembre. Oui, décembre, ouais. Et il a joué une journée après, il a reprendre en janvier contre Giroud. Mais comment il est fini Fulham, il a joué quart de finale contre Southampton, Coupe de la Ligue. Oui. Et
Boxing Day approché, oui. Les périodes de fête. Les EOE contre Tottenham. Les 5 janvier United. De pas quoi arrive bon, 2025, pas quoi les EOE contre Tottenham le 22. Les EOE contre Leicester le 27. Mais le 29, les EOE contre West Ham. Mm-hmm. Et les 5 contre Manchester United. Oui. Donc ça, 11 matchs qui restaient là, à partir de Southampton dimanche. Nous prenons une vraie indication. Là, qui nous connaît qu'il y a devant toi. Voilà, exactement. Et après sa match contre... Non, mais Liverpool, sa match, il était solide leader avec 28 points, 5 points d'avance là, sur Dauphin, qui est Man City. C'est un favori logique, mais on peut dire où les fans de Liverpool, même les joueurs. Bon, bon, vous êtes la tête, c'est calendrier 11 matchs qui peut y avoir avant la fin de l'année. Vous pensez à Honestlut, il va lui sauter de sur la tête et qu'il peut match par match parce qu'il est Honestlut. Puis Castro Rico, il prend les rênes de Liverpool et sans faire belle addition à l'effectif qui Jürgen Klopp finit. Ouais. Il n'y a que Chiesa qui finit. Là aussi, Chiesa, l'Inter de Milan, Péro de Manien près. Mais nous avons dit la transformation qu'il finit avec Manjue, Kumaga, Vren Butch, Salah qui finit retrouver une deuxième Zenis. Nous avons dit comme ça, mais impressionnant. Comme au Gateman match de Liverpool, nous trouve clairement l'identité de Liverpool, le style football qui en est envie de jouer. Me penser au Carcos plus là parce qu'il joue plus au Gate Liverpool avec beaucoup plus d'attention. C'est là une question d'un journaliste hier, si je ne me suis pas trompé. Tu dis Arne Slot qui contre Leipzig, match Ligue des Champions avant les jeux contre Leverkusen. Mm. Liverpool, tu gagnes un petit peu chanceux ça avec toi. Oui, oui. Et tu disais qu'il est dans la possession du ballon, tu es plus méritant, il est un petit peu. Il fait mal prendre ça. Ok. Ouais, il est un petit peu saut, il est un petit peu de seconde. Avant ça, 11 matchs, série 11 matchs. Ouais, je disais ça. Mais il est sur la tête, il pensait que c'est ce style de jeu, il peut jouer avec des joueurs. Ce style, même si il est dans la possession, ça veut dire qu'il est plus méritant. Enfin, oui, après. Sa question là finit un petit peu dérangée. Mais ça prend en considération qu'il y a un nouveau format. La Ligue des Champions, c'est un marathon. Oui, oui, oui. Vous êtes beaucoup plus dans la gestion. Mais oui, parce qu'il y a beaucoup plus de matchs pour jouer. Ou calculer si vous faites de 8 premiers, ou qualifier direct, ou une barrage pour jouer si vous faites jusqu'à 16e. Donc c'est un marathon. Ou bien calculer le match, ou bien guetter Leipzig. Par contre, on ne dit pas qu'on a 11 matchs consécutifs pour jouer. Il fait un bon travail. Il ne peut pas calculer. En Allemagne, on... en France, mais je vais aller en vacances. Pénal, une période de match durant la Noël. Festivité, pénal. Exactement. Oui, je vais aller en vacances. Non, écoutez, logiquement, Liverpool dans l'obligation de gagner. Non, Liverpool va gagner. Je ne suis pas capable de permettre qu'il ne faut pas, quand il va recevoir City la semaine prochaine. Les bonnes nouvelles pour Liverpool, c'est que Alisson et Harvey Elliott reprennent l'entraînement et. Si je ne me suis pas trompé, je pousse la feuille de match, peut-être comme remplaçant ou mercredi. Mais Alisson, je pense, il fit 9 pour commencer sa match. Mais Southampton. Uniquement Diogo Jota qui est toujours blessé. Southampton, je pense, il n'est pas un match compliqué. L'antenne rouge avec 4 points. Seule victoire cette saison, c'était face à Everton à domicile. Mais, Mokava Dionity, c'est tiré à Alisson. Une excellente prestation, une excellente performance face à Man City, Lo Etihad. City, tu fais le strict minimum dans la douleur, N0. Donc, ça, l'équipe là, comme tu es un match, je suis très impressionné de par la performance de Southampton. Mais est-ce qu'il est capable de répéter ça contre Liverpool? Moi, pas trop aussi, parce que peut-être à ce moment-là, City, c'est un peu dans le flou. City, pas aussi brillant qu'il était ces dernières années. Mais ça, l'équipe là, Nifin donne-moi l'impression qu'il est capable de taquiner d'un bon jour. Une meilleure équipe du championnat. Mais là, honnêtement, en face, Nitish, il est très compliqué face à Liverpool qui est en grande confiance en ce moment et qui a une slot, comme on veut dire, Oreco, il peut casser avec ce match victoire. Et d'après les bookmakers, Southampton, un des grands favoris bien sûr. Pour la relégation. Oui, bien sûr. C'est mais, tout mais, début de saison. Là, Wolves, s'il ne passe pas au lit, Wolves, c'est très longtemps l'antenne rouge, et Mbotidiaou, quand Wolves peut commencer à gagner. En compte, ça l'équipe là pour enchaîner les victoires. Il y en a tout ce qui vise. Oui. Pour entraîner. Moi, je suis très très optimiste. Petit mal des morts cette saison. Non, vous pensez qu'il y a relégation. Bon, tu sais pas, je suis appris comme on peut la côte Liverpool. Et qui fait Liverpool à l'extérieur est offert 125 roupies. Moi, tu pensais qu'il prend en bas 120. Beaucoup autant. Non, les premiers contre les derniers.
4 points, si on va trouver ça, vous en tenez 4 points. Ouais. Il va pouler dans 25, non 28. 28. Non, honnêtement, moi, je pensais qu'il pouvait la côte. Et ça, j'ai tenu dans 21 goals. Moi, je pensais, sincèrement, qu'il pouvait la côte 118, 119 pour décourager un petit peu. Man. Non, mais peut-être sans match, sa performance qu'il finit réalisée contre City, là, finit. Ça laisse point un petit peu, ouais. Mais donner une indication au match nul, le match nul est offert à 410 roupies et Southampton 865 roupies. Donc, nous ne pouvons faire pas prendre ce match nul là. Moi, je veux dire half time à Liverpool. Okay. Peut-être qu'il peut offrir 140-150 roupies. Doublement. Ouais. Et à chaque fois, on me dit, hein, quand il y a un très international, l'équipe reprend. Oui. Souvent, il y a des difficultés. Oui. Pour enchaîner notre football, 100%. Pour gagner sa cohésion football là. Et. Attention, hein, man, qui est content, mettre off time. Tu te rappelles, chaque fois, nous, ça, souvent, ça avait. Évidemment, fais attention. Là. Attention, off time. Peut-être qu'il est capable de gagner en deuxième mi-temps. Mais souvent, c'est des proves du match. Surtout, il va plus se jouer à l'extérieur. Oui. Il est capable d'avoir un petit peu plus de temps que prévu. Man, je connais beaucoup Amérique du Sud, Nunes, Diaz, entretien sorti, Salah, sorti l'Afrique. Non, ouais. Peut-être pas une grande victoire, mais peut-être. Un petit victoire, 0-1. Pareil comme un City, un strict minimum. Ouais. 0-1, 0-2. 3 points tranquille. 3 points qui importent. 3 points. Ouais. Alors, Yachad, nous passons à Liverpool. Nous venons justement où l'équipe avec le grand. Enfin, le grand. Prometteur. Le grand qui fait me dire le grand. Bien rôle, nous trouvons un entraîneur. Domine Pep Guardiola. Tactiquement. Tactiquement. Et dernière fois que Pep Guardiola s'est gagné battu pour 4 goals, c'était contre le Real Madrid. Oui. Lors de ses premières ou deuxième saison avec City en Ligue des Champions. Oui. Real City met 4-0 ou 4-1 contre Pep Guardiola. Depuis ça, City n'a pas perdu pour Man Nico. Pareil, il y a battu avec Liverpool, mais c'était 4-3. Oui. Mais je dis le grand parce que je suis impressionné. C'était un super tacticien, ce Ruben Amorim. Ce sera sa première rencontre officielle en tant que manager de United. Je vais vous faire une petite parenthèse là rapidement, Yachad, avant de vous laisser causer un petit peu de Ruben Amorim. Durant le Mercato, depuis que Klopp annonce ce départ en janvier, un des premiers entraîneurs qui Liverpool qui sondait. Hein, oui, non, bien sûr. C'était Ruben Amorim. City. Et par la suite, de Parfine Tomenemanako, oui. Entre autres, West Ham. Et oui. Tu es tout proche d'aller à West Ham. Oui, tu finis faire une interview. Durant la trêve. Et finalement, West Ham n'a pas fini d'être convaincu. Oui. Bizarrement. Oui, bizarrement. West Ham n'a pas fini d'être convaincu. De une cancel sa une future interview, une future déjà, c'est cancel. Et tout ça, bizarrement, pour moi, c'est un entraîneur qui mérite un grand club. Oh, certainement. Moulessou, Ruben. Non, une bien résume réputation qui est Ruben Amorim est né en Europe maintenant. Il est très cotisé. Il est the hottest prospect. Moi, je pensais, raison pour laquelle United finit faire le forcing, c'était parce que le fait qu'il Guardiola, pas encore. Renouveler ce contrat avec City. Ouais. Et il est Lali, City pour certainement le prochain entraîneur de Manchester City sur Ruben Amorim. Convaincu de pour ça. Donc United fin décide pour mettre le parquet déjà. Tout. Il fin fait. Il n'y a pas que ça. Il fin paye ce clause libératoire. Il fin paye clause libératoire sur l'équipe technique. Technique aussi. En fait, il est venu complet là. Oui, parce qu'il a payé 10 millions, mais Ten Hag des hauts. Ouais. Rachète ce contrat 15 millions, rachète 5 millions encore ce contrat sur l'équipe technique. Donc, United finit faire un investissement. Et finit faire Ruud van Nistelrooy, allez. Non, Ruud van Nistelrooy, il connaît quand il vient United. Pourquoi ça, déjà, il n'est pas utilisé pour le staff là. Non, mais il dit, il connaît. Ruud van Nistelrooy, il fait champion en Hollande. Ok, il finit accepter le poste de. Intérimaire. De intérimaire, d'assistant entraîneur, parce que c'était United. Ninja Oli Bob faire assistant, aucune place, sauf United. Et aussi, ce qui est important, c'est qu'il manne, peut-être manne France c'est pas connu. Non, c'est qu'il manne France pas connu de faire Ruud van Nistelrooy revenir à Old Trafford. C'était décision d'Eric Ten Hag et non pas du board. Donc, c'était Eric Ten Hag qui finit faire lui demande pour approche Ruud van Nistelrooy pour qu'il vienne assister lui à United. Donc, logiquement. Si c'était une décision bold, les Tipoula, maintenant si vous dire à Morim qui non, ne finit prend Ruud van Nistelrooy et qu'il est bien resté.
et bien assister toi parce qu'il y a un contrat, une parole, entre guillemets, comment dire, qui finit de donner. Mais non, ce n'est pas le cas. C'était le choix d'Eric Ten Hag. Donc, certainement, Ruud van Nistelrooy pas pour rendre l'équation de Ruben Amorim. Ruben Amorim, c'est qu'il définit faire avec Sporting, avec un style très offensif, avec 3-4-3, c'est un peu ce style de prédilection, c'est vrai. Ouais. Donc, moi, je finis sur interview, je finis dire qui à cause très international, il pouvait un peu les temps à Boucon Manzuel, il prenait seulement 2 sessions d'entraînement avant ce premier match. Donc, il dit pas expect qu'il prenait bien sérieusement, mais il dit qu'il prenait une idea. Il dit there will be an idea. Pour vous trouver quelle direction. Mm-hmm. Qui système de football, une identité pas que tu réussis à mener. Exactement. Donc attendons voir, on connaît Fininama un grand entraîneur après Ferguson. Mais là, moi pensais c'était un super entraîneur en devenir très très bien. Il y a un hot prospect un peu comme Arnest Slot, man Maresca, oui. De Chelsea, man futur. Oui. Man futur qui domine, qui peut dominer la scène, oui. Ouais. Mais le truc c'est que sa période contre l'Invin Manchester là. Oui. On peut rentrer en décembre. Oui. Beaucoup entraîneurs à travers le monde, à travers l'Europe, pas fin habitué à sa rythme, oui. En décembre. Là. Oui. À sa. C'est. Prenant la Ligue des Champions, la Coupe d'Europe entre. Mm-hmm. Prenant man EFL Cup entre. Mais ça. Liverpool, il y a 11 matchs. Oui. United, il y a 11 matchs avant la fin de l'année. Mais sa calendrier démentiel là, là, il faut être très très fort là où la tête. Là. Où elle prend une équipe un petit peu, on va dire, malade comme United, même oui. Si. Vous, un très très grand entraîneur. Déjà là, il peut switch et ça va enchaîner très très vite. Oui. Et là, avec quelques joueurs qui en perte de confiance avec United, tu connais Man Rashford, Man Maguire, la confiance. Je ne vais pas vous dire qui me. Je vais dire vous vous amène sa confiance là rapidement. Hein. Je ne vais pas vous dire qui me très optimiste. Bon, écoutez, il y en a. Il fait ce prêve. Non, tout à fait. De Portugal, il fait ce prêve la scène internationale face à Manchester City. Tactiquement, il finit domine Pep Guardiola. Il finit quitte le Sporting, deuxième au classement de la Ligue des Champions. Il finit fait champion, il finit gagne Coupe Portugal avec Sporting, il finit remplir ce contrat. Donc, on a besoin de faire aussi, tu sais, qui. C'est un entraîneur qui partit en licence quand il vient Sporting Lisbonne. Donc c'est un Larman qui s'est formé à l'ATP payé parce qu'il est parti détenir une licence A de l'UFA pour entraîner. C'est un diplôme qui vous passez en oui, fait ça. Ouais. Voilà. Et il finit l'occasion d'assister José Mourinho qui est idole, qui est considéré comme son idole. Maintenant tu poses une question, est-ce qu'il est inspiré par le style football de Pep Guardiola, façon qu'il y joue parce qu'il ce sera un adversaire qui dit pour l'occasion. Je vais compter très souvent en Première Ligue, Lidia ou non. Lidia ou non, moi, mon idole, c'est José Mourinho. Et il fait un stage quand José Mourinho est entraîné à United. Donc, il connaît le club déjà, l'ADN du club, il connaît. Il finit pendant 6 mois, il finit assister. Bien sûr, pas en étant assistant entraîneur, mais il finit suivre un cours à José Mourinho. Donc, il connaît l'ADN du club, il connaît c'est quoi Manchester United. Mais comme on m'a dit, finit à Louis Van Gaal, finit par José Mourinho, finit par Ralf Rangnick, finit par Erik ten Hag qui fait une excellente saison avec Ajax jusqu'à demi-finale Ligue des Champions. Un petit peu le même profil ten Hag de l'Ajax. Et il était encore jeune, oui. Un hot prospect à oui. L'époque oui. Ten Hag. Mais pas finalement aussi. Libre pour penser sa personnalité fin de minuit. Oui. Sa personnalité. Oui. Mais il y a beaucoup joué ouais. À pas finir d'accord ce système d'entraînement et tout. Mais attends de voir, il paraît qu'il y a. Le mercato, ce sera en janvier. Non, mais ça mois de décembre, quand tu venais à 10-11 matchs là. Non, mais pensez qu'il y a un effectif très correct. Il y a un manager qui pourrait tourner, il y a un manager qui finit à stick. La confiance. Ouais. Non, mais pensez qu'il y a un système qui joue, vous pouvez trouver un manager comme un Mason Mount pour tout à fait un autre joueur. D'ailleurs, il y a une interview. Mason Mount, c'est un joueur sur lequel il compte beaucoup. Oui. C'est un style qui est Mason Mount, j'ai un peu en numéro 10 là. Exactement. Du système. C'est un joueur qui est important. Ouais. Et peut-être il y a Man Rimea, puis il y a Bruno Fernandes, qui n'est plus capitaine à United, donc il n'est pas trop fan de ce profil. Pourtant, mais portugais. Oui, mais vous connaissez, un entraîneur, c'est un peu ça, comment il affirme quand il est venu, il prend ma décision. Ouais. Il y a un manager qui bouge, il y a un manager qui ne peut pas bouger, donc pour lui, il pensait que. Il y a aussi Hugo Hattic qui joue avec lui, Sporting Lisbonne avant qu'il aille au Paris. Donc pour le jeune Euro qui finirait prendre l'entraînement, qui va commencer très bientôt ici, avec Martinez et De Ligt, paraît qu'il sera capable de faire un bon back free. Derrière, donc nous on espérait, il peut venir avec beaucoup d'optimisme. Et l'Indien, il est passé un arrière gauche de renom
Oui. Dès janvier de ce même interview, que, la semaine dernière, si je ne me suis pas trompé. Oui. Non, mais déjà, ça montre où qu'il y a envie. Oui. Faire les respecter. Mais comment un choix, tout entraîneur qui mini, il dit nous ça, il get new very hype up de pas être vécu. Mais non, il est pas fini arrivé. Mais là, depuis 2013. Oui. Et puis tu fais de battre Tottenham là. Oui. Il parle de contre un Ipswich à l'extérieur pour Pen Road, que tu as un Ipswich en confiance. Oui. Mais il a beaucoup causé qu'un fan de Liverpool. Fait depuis 2013, il a tout pagué à la Ligue 1. Depuis que je suis allé, dernière saison 2013, un fan de ça, dis-moi. Il y a un peu l'époque là, il a joué une passine et il finirait une première ministre, Liverpool, pas encore. Il n'a peut-être pas encore régalé la Ligue, encore pareil. Le gouvernement sorti, il n'a peut-être pas gagné la Ligue. Non, ce sera peut-être avec Amorim espéré dans quelques saisons. Mais Arsenal, pour faire 20 ans. Oui. Liverpool finit à attendre 30 ans. Non. City finit à attendre 55 ans. Non, City, c'est une nouvelle équipe. C'est parti à leurs ans, City parti pour ce qui était aujourd'hui. Non, mais là, ça marche là, Yachad. Non, mais pour une victoire de United, mon opinion, le choix. C'est la cote, rappelle-moi cela. United est offert à 160 roupies, le match nul à 315 roupies et Ipswich à 465 roupies. Ouais. Sous la barre des 500, donc méfiance. Méfiance, une cote de méfiance. Ouais. Oui. Difficile, mon opinion, beaucoup hésitation pour le pronostic de ça. Non, draw ou bien Ipswich, je me connais, vous jouez ça double non, chance. Écoutez, Ipswich est une équipe qui... Makina, l'ex-assistant de Ole Gunnar Solskjaer. Il met 10 encaissés, il met 12 goals, il encaisse 22 goals. United aussi, il met 12 goals, il encaisse 12. Vous pensez que les deux équipes vont marquer, Charles. D'accord, mais trouvez-vous, vous faites du score, la gauche, ça semaine. Vous faites du score. Et rapidement, Charles a fait un petit détour en Italie, que tu as un choc, samedi à 21h. Le Milan AC. Peut accueillir la Juventus de Turin. Les deux équipes, il y a une cascade de blessures. Un match qui peut jouer à San Siro. Pour rappel au classement, Milan AC est 17e, la Juventus est 6e. Mais 6e à 2 points du Napoli. Du premier, ça veut dire entre le premier et le 6e au classement, il y a 2 points. Ouais. Et il y a un gap par contre entre le 6e et 7e. Mais paraît qu'il y a assez Milan, il n'est pas dans la course. Pour oui, mais il fait battre Real Madrid quelques semaines de cela. Oui, mais. C'était une équipe qui est capable de faire le meilleur comme du comme pire. Comme du pire, oui. Ouais, non, attention. Hein. Non, vous pensez que la Juve est mieux cette saison, mais donnez une indication la cote, hein, assez Milan. Favori à 210 roupies, le match nul à 260 roupies, il était toujours, vous connaissez, quand ça va, quand dans l'Italie, Andro vend 250, 260, là, vous connaissez quand vous avez tout la croix. Oui, oui. Et Juventus, 340. 340 roupies, Juventus, qui a 2 points du leader. Qui reste aux 5 matchs sans défaite. Ouais. Hein. Et en Europe, il y a que dans les grands championnats européens, il n'y en a que 3 équipes invaincues. Oui. Paris Saint-Germain qui est premier de la Ligue, Juventus. Bayern Munich premier de la Ligue. Juventus a vaincu, mais les 6e. Oui. Parce qu'il fait 6 matchs nuls. Donc, raison pour laquelle je ne parle pas de match nul. Non, pareil. Moi, ici, je suis très chaud de ne pas ce match nul. Là, qu'à 260 roupies, le simple fait qu'il y a 260, il tente moi énormément parce qu'il nous connaît, il nous suit football, il nous guette la côte. La côte très, très indicatif, surtout en Italie. La côte causée là-bas en été. Non, non. Et souvent, ça va de match nul là. Vous trouvez ça en deuxième mi-temps? Oui. Nous connais comment ça. Manzuela, comment dire, il mettait une patte canard devant les Nous connais combien semaine Juventus finit relégué en série B, en série C. Nous rappelle, nous pas besoin de rentrer dans sa main polémique là, mais paraît qu'il nous peut diriger nos 20 matchs nuls contre AC Milan, dans sa match AC Milan et Juventus là, litige. Voilà, Yachad, tu fais un petit peu le tour de mes grandes affiches en première ligue et aussi en Italie. Et bien sûr, nous pourrons retrouver avec beaucoup de plaisir mardi après-midi. Oui. Nous prenons une autre émission consacrée principalement à la Ligue des Champions. Et l'Europa League. Et l'Europa League. Bien sûr, United pour jouer l'Europa League. Hein. Et nous avons suivi de très près parce qu'il y a Ruben Amorim. Non, parce qu'il peut-être une compétition qu'il est capable de gagner. Bien sûr, parce qu'il y a une étiquette de Ligue des Champions. À tout à fait. Même si vous n'avez pas terminé le top 5, top 4. Voilà, nous pourrons retrouver avec beaucoup de plaisir mardi. Pour ma part, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée, bon week-end et je vous donne rendez-vous mardi prochain. Merci, bonne soirée.